question de l'égalité de traitement entre les sexes n'est pas encore considérée comme une question véritablement politique, pour des raisons à la fois claires et mystérieuses. La valence différentielle des sexes, qui est un outil issu de la réflexion des humains dans notre haute préhistoire au paléolithique, est un trait universellement partagé, à des degrés divers. Elle paraît donc naturellement fondée, et ce qu'elle n'est pas. Et chaque génération la transmet à la suivante, sans véritablement questionner ses prémices et ses modes de fonctionnement. Alors l'action politique s'efforce de corriger des excès, s'efforce de régler des rouages, de façon importante, certes, depuis un demi-siècle environ, mais sans porter atteinte aux cadres fondamentaux qui étayent cette pensée. Les mouvements de revendication pour l'égalité entre les sexes désignent prioritairement plusieurs domaines. Le premier, c'est celui des représentations mentales et du déni, du mépris, de la condescendance, du dénigrement auxquels sont confrontées les femmes elles-mêmes, leurs comportements et leurs activités. Deuxièmement, le deuxième domaine, c'est celui du partage des tâches domestiques, qui est considéré comme étant le domaine où la résistance est la plus grande. Le troisième, c'est celui de la prostitution, ou pour mieux dire, du fait considéré comme allant de soi et nécessaire que des corps, en majorité des corps de femmes, soient mis à la disposition des pulsions sexuelles des hommes. Alors je m'en tiendrai aux deux premiers points qu'il convient de lier étroitement l'un à l'autre. Les tâches domestiques sont méprisées parce qu'elles n'ont pas de valeur au sens de valeur marchande et elles n'ont pas de valeur parce qu'elles sont accomplies par les femmes. Sans aucune logique naturelle d'ailleurs pour lier ces points. Mais c'est là un parfait cercle vicieux. Alors pour le briser, il conviendrait d'accorder de la valeur à ce travail qui est toujours recommencé d'entretien du foyer, du conjoint et des enfants. L'idée sous-jacente étant que si ce travail avait de la valeur, les hommes considéreraient comme normal de l'accomplir, avait de la valeur marchande. Alors pour cela, je propose deux moyens. Le premier, c'est d'ordre vraiment purement technico-politique. Il conviendrait de compter le travail domestique dans l'évaluation du produit national brut, ce qui n'est pas fait. On connaît de façon statistique le temps que consacrent les hommes et les femmes au travail domestique. On sait ce que coûtent, prises séparément, les heures d'aide ménagère, d'aide scolaire, d'assistance de vie, d'accompagnement divers, etc. Il est donc possible, même à grands traits, d'évaluer ce montant à l'échelle de la nation tout entière en le comparant à d'autres profits comme celui du travail salarié. Alors le deuxième moyen est plus prospectif. Alors comment donner, aux yeux de ce qu'on considère la première moitié de l'humanité, aux yeux des hommes, de la valeur à ce travail invisible, inaudible et invisible? Dans le modèle préhistorique dont nous avons hérité, dans le temps des chasseurs et des cueilleuses, des collectrices, le prestige et la valeur étaient déjà du côté du gibier. Le gibier était rare et la nourriture quotidienne provenait à 80% de la contribution féminine de cueillette. Mais dans les temps modernes et contemporains, c'est le salaire, les émoluments, le revenu monétaire qui remplacent le gibier qu'a rapporté l'homme et qui ont de la valeur uniquement aux yeux de l'humanité. Alors que faire ? Bien, je propose que les congés de paternité et de maternité soient partagés de manière égale entre le père et la mère, quand ils existent tous les deux. Ce serait d'ailleurs la condition de leur octroi, ce partage égal. Des conventions collectives garantiraient pour les deux sexes le retour à l'emploi et l'accès aux promotions normales. Et de plus, et c'est là le point essentiel, le temps passé à ces congés d'après-naissance compterait double pour l'ouverture des droits à la retraite. Ainsi, non seulement on faciliterait l'accès des hommes aux tâches domestiques et aux responsabilités paternelles, mais ces tâches seraient enfin considérées comme dotées de valeur. Alors, même si on utilise pour faire cela les rouages usuels du modèle archaïque de la valence différentielle des sexes, on ferait faire, je le crois, un grand pas à l'égalité entre les sexes.